Rêver avec le butler. Vous autorisez-vous à rêver comme le butler? Bonjour, je suis Hélène Poiseau, psychologue et créatrice du blog Le Tarot, un trésor infini. Rêver un impossible rêve. Les paroles de Jacques Brel dans Don Quichotte résonnent souvent dans ma mémoire. Chaque fois que mon esprit rêve d'un impossible, chaque fois que mon âme s'envole vers une étoile lointaine. Dans notre monde bousculé ou formaté, étriqué ou étiré dans tous les sens, nous ne savons peut-être plus rêver. Des tonnes d'informations aspirent nos énergies et notre temps, fermant souvent la porte de la maison de nos rêves. Et pourtant, rêver nourrit notre intériorité. Nos rêves ont besoin de silence, de temps, de tranquillité d'âme, d'insouciance et de jeunesse d'esprit. Nos rêves nourrissent notre don inné de créativité. Rêvons comme le butler, le petit prince des illusions. Il joue et se joue des autres. Il nous étonne et nous fait rire lorsqu'il lève sa baguette magique comme un petit ou un grand magicien. Nous raconte-t-il des histoires? Nous joue-t-il quelques tours de magie où nous ne verrons que du feu? Nous emmène-t-il dans son monde plein d'images et de magie, de rêves et de ravissements? Les gens trop sérieux ne rêvent pas. Ils risquent de prendre la vie trop au sérieux en croyant qu'il faut travailler dur pour arriver. Ils ont perdu leur baguette magique et pourtant, elle existe bel et bien. D'ailleurs, la baguette du butler est encore dans la main de la femme du monde. Le voile des illusions dont était parfois prisonnier le butler est en train de se déchirer doucement. Pendant que la folie du monde semble s'aggraver, la science découvre le secret de cette baguette magique que nous possédons tous, absolument tous. Elle nous enseigne que lorsque j'observe une réalité en imagination, les ondes du champ d'énergie se transforment en particules et deviennent ma réalité, à condition d'y croire à fond. C'est pour cette raison qu'il est si important de rêver. C'est ainsi que je crée ma réalité. Tout ce que je crois de moi-même et de ma vie finit par se réaliser. Le butler est l'enfant du tarot. Il croit à tous ses rêves et il est bien parti pour les réaliser, sauf si des adultes trop rigides l'en empêchent. Le butler nous aide à garder notre esprit d'enfance. Il est joueur, curieux, libre, spontané, enthousiaste, joyeux, émerveillé, confiant, ouvert à tous les possibles. Découvrez qui est le butler, car c'est lui qui détient le secret de la vie. D'ailleurs, si ses bras tournaient comme les ailes d'un moulin, il tournerait dans le sens de l'ouverture, qui est le sens des planètes, le contraire du sens des aiguilles d'une montre, qui est un sens de fermeture. Il est ouvert au monde, il est d'autant plus ouvert qu'il tient dans sa main droite un petit denier au centre de lui-même, ce qui veut dire qu'il a totalement accepté d'exister dans ce monde d'apparence matérielle. Je vous propose et je vous conseille de d'écouter ou de réécouter la chanson de Jacques Brel. Sa quête de l'inaccessible étoile fut douloureuse, mais il était habité par son enfant intérieur qui brûlait d'atteindre un inaccessible. Voilà, j'espère que vous vous autoriserez à rêver et je vous remercie de votre attention. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien, abonnez-vous à ma chaîne. À très bientôt!